côté des... Bienvenue dans ce vlog qui sera un vlog de un jour. C'est le 24 heures Ridaton, mais on est à Paris avec Léo et Ellie et on n'a pas méga envie de lire en fait, c'est ça le problème. Mais on a un peu envie de lire, mais en même temps pas trop. Bref, du coup, je vais vous montrer ce qu'on va faire dans la journée parce qu'on va faire des trucs cool et on va essayer de lire aussi. Et on va essayer de rendre ce 24 heures Ridaton un peu ludique. Voilà, ludique, c'est vraiment parfait. Voilà, j'espère que ce vlog vous plaira. Il sera un peu chaotique, je pense, mais ce sera cool. Yeah, exciting. Alors au lieu de lire, on prend en photo nos livres. Exactement. Parce qu'on n'a pas envie de lire. Vraiment, je suis trop trop fan de cette page. Ça va être énorme, hein. Et carrément. Est-ce que tu es sûr de l'avoir? Anyone? Yeah.
le lendemain. Combien de pages on a lu hier? 42. Au moins. Je crois que j'en ai plus lu aujourd'hui que j'en ai lu. 0 pages. On n'a pas lu une seule fois dans la journée. On a un peu essayé, enfin non, on n'a pas essayé. On s'est dit, on va se mettre dans un parc pour aller lire. On a été dans le parc, on a pris des photos, on a dit, bon, on s'en va. On a pris des photos de livres au moins. Oui. Mais du coup, on a quand même été dans des librairies. Oui, ça se dit, librairies. Dont une d'occasion et une librairie exclusivement anglaise. Cette occasion, elle était exclusivement anglaise ou pas? Je crois que oui. C'est trop bien Paris, il y a plein de librairies anglaises. Cette librairie était trop belle. La première librairie, c'était San Francisco Books. Tada! Allez, fais le mise au point, Bob, you can do this. Ouais! Et du coup, c'était une librairie d'occasion. Et nous avons trouvé deux livres. Two books. Two thrillers. Moi, j'ai trouvé The Last Time I Lied de Riley Sager ou Sager? Sager, ouais. Et en fait, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est Ellie qui l'a trouvé et qui me l'a passé. En plus, c'était dans la devanture du doigt où c'était cheaper que les autres. Il a coûté que 3 euros! Wow. Et du coup c'est un thriller mais... Oh, surtout que 3 euros mais la personne elle l'a payé 17 euros. Oh my god, second hand. C'est amazing. Mais du coup je lis pas le résumé et je me rappelle plus de ce que c'est. Donc c'est encore plus cool. Mais je sais que Books and Lala elle l'avait pas mal aimé. Et comme Books and Lala je lui fais vraiment confiance. Et bah voilà. Et toi Ellie, qu'as-tu trouvé? Moi j'ai trouvé Dark Places de Killian Flynn. C'était pas mon premier, enfin celui que je voulais le plus. Je veux trop lire Sharp Objects parce que c'est le livre préféré de... Enfin, un des thrillers préférés de Kat de Paperback Dreams. Et je lui fais trop confiance pour les thrillers et les horreurs et tout. Et du coup, je voulais trop lire Sharp Objects, mais du coup, je me retrouve avec Gone Girl que j'ai eu dans une boîte à livres et celui-là que j'ai trouvé à 4 euros. Du coup, bah, je vais lire les deux autres et puis après, je lirai Sharp Objects. Mais genre, il est trop cool celui-là. La couverture, elle est un peu graineuse comme ça. Je sais pas, j'aime trop. Ah oui. Et après on a été dans la best librairie. Qui était trop bien. La madame, elle était trop gentille. On a trop bien fini la journée. Après on est passé chez Shakespeare aussi. Mais... On est passé chez Sorge. Et on a trouvé plein de livres qui étaient introuvables. Grave. Et qu'on avait trop envie de trouver. Et qu'on n'avait pas trouvé dans aucune librairie. Donc moi, j'ai acheté The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Tyler Jenkins Reid. C'est le livre préféré de Elisa. Du coup bah, elle est trop contente que je l'ai aussi. Oh my god, j'ai trop hâte que tu le lises. Ouais, bah moi aussi j'ai trop hâte de le lire. J'en ai tellement entendu parler, genre vraiment beaucoup. Et il m'a toujours donné envie. Mais depuis que je sais que c'est le livre préféré de Ellie, bah j'ai vraiment trop envie de le lire encore plus quoi. Donc voilà, c'est pareil, je sais pas exactement l'histoire, mais j'ai pas trop envie de savoir. Je sais que c'est une fille, enfin une femme, qui raconte sa vie avec ses 9 maris, je crois. Donc c'est ça, voilà. 7. Ah oui. Ah oui. Ah oui. C'est pareil. Et toi, Léo, as-tu un livre à nous montrer? Non, on s'en fout en vrai. Yeah. Ça va? C'est juste parce que j'ai lu 3 pages ce matin. La couverture est trop belle. James Baldwin. J'ai lu l'introduction à Anne Laffin. C'est le second que je lis, c'est June Vanney's Room. Mais j'ai lu son premier roman et lui c'est le deuxième et du coup j'ai 3. Je crois que c'est tout. En tout cas, même si on n'a pas lu et même si on n'a pas fait le 24h Readathon, on a passé une très bonne journée. Yeah. Et c'était trop cool. Bon, le soir c'était un peu chaotique, mais c'était trop cool. Everything's right right now. So it's okay. Can I have the litchi juice? Oh mon dieu, le jus de litchi! On a découvert ça, c'est trop bon. Du coup, c'est la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Je pense qu'il va être méga court de la mort, mais c'est pas grave. En fait, t'as appris beaucoup de choses, hein. Ouais. C'était une journée avec nous à Paris. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. J'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. Et je vous dis, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.